Lucien Bounik est né en Tunisie. Il enseigne le français dans une école franco-arabe. Rentré en France à la suite de l'indépendance de la Tunisie et après divers petits boulots, il devient kinésithérapeute. Passionné de tennis, il se classe 400e joueur français en deuxième série, devient prof de tennis et crée la première société de rénovation de cours de tennis. Mais il aime écrire et nous présente Yolina, son premier roman. C'est l'histoire tragique d'une jeune Polonaise étudiante en médecine comme lui, dont les parents et la jeune sœur Elena sont morts en déportation. L'inconscient de Yolina refuse cette fatalité. Elle rêve toutes les nuits qu'elle continue de vivre au sein de sa famille comme si de rien n'était. Tombée amoureuse, elle se jette alors dans une quête éperdue en essayant de se reconstruire pour échapper à cette double vie et partager pleinement cet amour. Un extrait. Vivre, c'est avoir raison. Et ils ont voulu nous donner tort d'exister, de vouloir vivre, d'avoir échangé intellectuellement avec eux et de les avoir pollués. Tort de les avoir séduits par la musique de nos musiciens, par les peintures de nos peintres, par la pensée de nos philosophes. Ce roman est un joli plaidoyer sur la différence et la reconstruction. Cela lui tient d'autant plus à cœur qu'il est marqué depuis toujours par le drame de la Shoah. Retrouvez Yolina de Lucien Bounik aux éditions Sidney Laurent.